strong at heart, but we're still dreaming. Wide open, leave this place behind, no matter what they say. Eh bien, salut à toutes et à tous, Slam Compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Écoutez, pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure, un épisode chill, surtout un épisode construction. Un épisode, en fait, le vrai retour de Minecraft, le vrai retour pour se booster en termes de motivation. Puisque les amis, il faut qu'on se recrée, il faut qu'on se retrouve des projets. Absolument, c'est important. Pour pouvoir faire durer l'aventure et redonner la flamme. Dans le dernier épisode, je vous demandais si vous vouliez qu'on s'installe ailleurs et qu'on aille ailleurs de cet endroit. Et c'est vrai qu'en majorité, vous vouliez qu'on reste dans le cratère, alors que moi, j'avais des besoins d'évasion. Bien que, en effet, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien rester ici et continuer de s'évader, de voyager, étant donné que d'ailleurs, le serveur est ouvert aux acolytes et que voilà, chacun s'établit à différents endroits de la map. Et d'ailleurs, si on regarde ici, on a Théo Camillo qui est en train de se faire une petite base ici. Notre maison, elle est là-bas, on s'en souvient, on avait commencé à faire justement les escaliers, le portail du Nether là-bas. On a un village qui est en face, on a ici un cratère avec pour le moment des arbres de cerisier dont on n'a pas encore fait grand chose. Le musée de Madventure ici qui est pas du tout terminé, c'est-à-dire que la base de la maison est faite, il manque un étage, mais au pire c'est pas grave, mais c'est pas ça, c'est surtout que bon, c'est vrai que c'est relativement vide, c'est même pas fini quoi. En fait de compte, il y a quand même beaucoup de choses à faire ici et on avait plein de projets pour ce cratère et au final j'ai failli les oublier quoi, j'ai failli juste me barrer et vouloir recommencer à zéro. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi d'ailleurs, c'est vrai, entre cet épisode et le dernier, j'ai perdu tout mon stuff. Voilà, je vous l'ai pas dit, pour ceux qui ne suivent pas mes lives, durant un live sur Twitch, eh bien j'ai perdu tout mon stuff. Littéralement, alors c'est pas bien grave, on repart pas non plus à zéro puisqu'on a quand même pas mal de ressources dans nos coffres. Mais voilà, comme ça vous le savez, je n'ai plus le stuff en netherite, ça fait plaisir. Non, mais du coup, on a en fait des projets à faire autour de ce cratère et ça me réexcite. Voilà, ça me redonne envie. Parce que souvenez-vous, on a notre maison qui est ici. Bon, c'est très bien. On a le musée ici qui n'est pas encore exploité. Très bien. On a le cratère. J'avais dit que je voulais absolument qu'on s'installe autour du cratère et je voulais vraiment monopoliser le cratère. Au départ, je voulais que mes acolytes s'installe avec moi autour du cratère. Bon, il n'empêche que personne n'a voulu s'installer avec moi sur le cratère, donc c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci. Chacun s'installe ailleurs, c'est absolument parfait. Du coup, ce cratère, eh ben, il est à nous, on va le monopoliser. Alors bien sûr, libre, voilà, s'il y a un acolyte qui passe par là et qui a envie de construire quelque chose dans le cratère ou dans les trous ou autour du cratère, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Mais du coup, voilà, ce cratère m'appartient. Il pleut. Oh, j'ai pas encore découvert la pluie avec ce shader. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le shader, c'est le Astralex. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller regarder. Ça, c'est impressionnant, même sous la pluie, c'est beau. Bref, comment dire, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, là, j'ai une excitation en ce moment. Alors, pareil, j'avais commencé un truc sous terre ici, mais c'était pas fini, c'était moche. Je vais vous montrer juste après. Mais j'ai une excitation, j'ai envie ici de faire une nouvelle maison là. Et de me réinstaller, en fait, de déménager. Et de me réinstaller là. Malgré qu'on a notre maison là-bas, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un problème. Mais je veux refaire une nouvelle maison ici, toute belle, avec plusieurs étages, de sorte à ce que je puisse voir d'un côté Théo Camillo, de l'autre côté le cratère. Et voyez là, on va terraformer et on va se faire une belle petite place. En comme quand on a commencé la construction de la maison là-bas. Donc après, on verra par la suite, on pourra très bien relier les deux maisons. Là, je verrai bien, j'ai plein de projets, vraiment. Là, je verrai bien un escalier, un chemin direct qui descendent jusque en bas. Et là ce sera juste parfait. Enfin bref, ça m'excite. Donc les amis, je vais préparer les premières ressources. Je n'ai absolument aucune idée de comment je veux construire la maison pour le moment. On va vraiment y aller au feeling maintenant que j'ai un petit peu le recul de Minecraft, hein. Donc je vais vraiment y aller au feeling. J'aimerais juste vous montrer d'abord ce dont je vous parlais. Hop. J'avais une pièce juste en bas, souvenez-vous, tac tac tac, c'était ici. Et elle est absolument dégueulasse. En fait, je voulais que ce soit une salle chill, une ambiance, voilà, un peu cosy, canapé, où tu lis ton livre. Bon, s'éclater au sol, ça donne pas envie. Mais, dans l'idée, j'avais fait ça. Et ça, c'est chouette. Et en vrai de vrai, je pense qu'on va construire donc une maison là-bas. Et que sur le flanc de la montagne, comme là, on va refaire des trucs comme ça. Mais en plus grand, en plus joli, avec une grande baie vitrée. Oh, on va faire une grande baie vitrée. Oh, laisse tomber, c'est bon, ça va être incroyable. Ok,
Je vais préparer PL, je vais voir les ressources qu'on a. D'ailleurs, alors je sais que c'est pas original parce que tout le monde va faire ça, mais on est en 1.20 les amis. On est en 1.20. Donc voilà. Hein, ça va quand même y aller à base de cherry log, donc les bois de cerisier. J'avais pas fini ma phrase aussi à propos de l'intérieur du cratère. Voilà qui me donne envie. Je vous avais dit qu'à l'intérieur du cratère, alors on avait eu plein de projets qui nous étaient passés par la tête. Hein. Au début, je voulais que ce soit une arène PVP, c'est-à-dire qu'il y ait plein de monstres et que mes acolytes s'y affrontent. On voulait aussi également faire une grande cabane. On voulait faire une tour Eiffel. Enfin, on avait plein de projets et au final, on va en faire un coin chill. Je veux que ce soit, bah voilà, comme un biome cerisier en bas là. Genre, on va en bas, c'est paisible avec plein de lumière, des petites balançoires, des feuilles de cerisier au sol. Pour le moment, il n'y a que des arbres. Mais vous avez compris l'idée. En bas, ça va être incroyable. On va faire des trucs de ouf. D'abord, on va commencer la maison. Voilà. Ah, j'ai très très hâte. Donc les amis, je prends les ressources dont j'ai besoin, dont je pense avoir besoin. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Et je vais réfléchir et je vous retrouve juste après. Eh, regardez-moi cet arc-en-ciel. Est-ce que c'est juste pas magnifique? Franchement. Oh merde, je voulais pas jeter mon épée. Je voulais dire après la pluie, vient le beau temps. Regardez cet arc-en-ciel. J'espère que ça se voit bien sur YouTube. Bref, j'ai pris quelques ressources. Juste avant, je voulais encore refaire un point et hop. Merde. Voilà, retourner au village là-bas parce que c'est vrai quoi. Alors j'ai montré ça en live, mais j'ai pas montré ça en vidéo. Donc je sais que vous ne me suivez pas tous sur Twitch. C'est bien dommage. Donc je vais vous montrer, mais c'est vrai que là avec Dragon Alpha, on avait quand même commencé de jolies belles petites choses pour le village. Donc ce serait vraiment dommage de s'en séparer. On a quand même une ferme ici à blé, à patate plutôt, qui fonctionne bah, écoutez, relativement bien. Et puis une usine à fer également qui fonctionne super bien. Bah voilà, donc vraiment ce serait dommage de passer à côté, clairement. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? La reproduction aussi des villageois, je vous ai pas montré, il y a beaucoup de villageois qui ont respawn. Donc là je les ai tous libérés, tac. Pour ceux qui s'en souviennent, voilà. Bon enfin bref, il y a plein de villageois quoi. C'est pas parlant là comme ça, mais il y en a plein. Voilà, donc hop, on va directement se barrer. Oh regardez, c'est beau quand même. Oh. Eh, c'est quand même beau ma aventure. Hein. La maison de My Goodness juste ici. On va pas se spoiler la maison de Théo Camillo. C'est magnifique. Attendez, hop, donc on va se poser là. Alors pour vous dire tellement c'est la hesse, j'ai une hache en fer que je me suis crafté. Parce que j'ai plus de hache, c'est pour vous dire. Ouais, donc la maison de Flo là-bas, Théo Camillo, on va pas aller se spoil pour le moment. On va directement, ça va vous faire penser aux premiers épisodes, hein, c'est un petit peu le but. On va directement terraformer un maximum pour avoir la plus grande surface, la plus plate possible. Et on va se mettre plutôt bien. Ouais bah écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, j'ai fait quelques trous sur le chemin. C'est pas mal du tout comme ça. Bon, l'herbe va repousser. De toute façon, on va quand même reconstruire par-dessus. Donc on s'en fout un petit peu. C'est pas mal du tout. Là, on a une belle surface. On a une belle surface. Je me tâterai quand même. Alors, parce qu'il faut quand même réfléchir à mon idée de faire une grande baie vitrée comme là-bas. Enfin, pas comme là-bas, mais justement faire... dans ce style là une grande baie vitrée en bas. Donc il faudrait que ce soit un endroit très plat et je pense que c'est là où je suis l'idéal. En plus là je suis parfaitement au milieu. Ah je sais pas si ça va être possible comme ce que j'imaginais. Parce qu'il faudrait vraiment que la montagne soit ultra plate. En vrai de vrai. Attendez, si je creuse ici. Alors si je creuse là, la vue elle est pas folle, d'accord. Donc on va réfléchir comme ça. Il faut qu'on ait une belle vue. En gros, moi je veux qu'à la baie vitrée, on ait quand même une belle vue par-dessus les arbres, quoi. C'est-à-dire que là... Ouais, mais là, t'es en dehors de la montagne aussi. C'est compliqué. Moi, il faut vraiment être à l'intérieur, quoi. Alors, je vais bien faire ça à chaque fois, mais ça va coincer à un moment donné, quoi. Ça va coincer à un moment donné. Là, on est dans la stone. Si la baie vitrée, elle était là, par exemple... Tu vois, là si la baie vitrée elle est là, c'est pas terrible. Mais en même temps, si tu casses là... Ah attendez, bougez pas. Ça va bien se passer, regardez. Hop, on fait ça ensemble en vidéo comme ça. Comme ça c'est pas mal. Et vraiment les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. .tv/mcolooff, c'est en description. Et on ira voir la maison de Théo Camillo d'ailleurs. Hop hop hop, voilà. Et donc là... oui mais là c'est vrai que ça fait un grand trou là. J'avais pas pensé
J'avais pas pensé à ça. Parce que là, du coup, la buvetterie, elle devrait être là. Ah, c'est pas terrible. J'avais pas pensé à ce détail, mais en vrai, ça marche quand même. Si la baie vitrée, elle est là, là on voit, là, ça y est, là on voit. Donc là, déjà, tu peux creuser sur du 4-4 comme ça, voilà. Tac, donc là on est sur 5, 6, 7, 8. Voilà, on va partir sur une baie vitrée de 8. Comme ça, voilà. Donc là, tu arrives à la vitre ici. Et on voit rien, mais c'est pas grave, parce que ce qu'on va faire ici, on va avancer le bazar et on reconstruira la montagne par-dessus pour faire comme si de rien n'était. Ouais, c'est bon. Donc là où on a l'idée, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous allez très vite comprendre quand on va y venir. Mais d'ailleurs, il faut qu'on y vienne maintenant parce que sinon on va être bloqué. Mais c'est vrai, la maison, comment je vais pouvoir la construire par rapport à la baie vitrée? Ah là là, faudrait que ce soit un truc assez cohérent quand même. Bon. On se débrouillera. Déjà, on sait. Là, je suis en 954. C'est pas ça qu'il faut regarder. On est en 48. 48, 41, d'accord? En Z. 48, 41. Donc, voilà, là, je suis à l'intérieur de la maison. Voilà. 48. 41. Là, je suis à l'intérieur de la maison. Hop, voilà. Donc là, c'est en bas, c'est comme ça, en gros, globalement, hein, d'accord? Donc là, pareil, voilà. Je vais mettre ça pour me faciliter la tâche. Voilà, comme ça, je sais qu'il y a moyen de faire un truc comme ça. Bien sûr, ça va pas exclure que notre maison sera plus grande, et c'est ça ce qui est génial. Alors, on va partir. Je me suis dit, le bleu, ça se marie bien avec le rose des Cherry Log. Après, faut pas non plus trop en faire. J'ai pris du bois de chêne sur moi, mais ça, c'est pour faire justement des crafts qui vont nous aider, genre par exemple des coffres. Pour ne citer que ça, parce qu'on a quand même pas mal de choses à stocker. Pour faire également une table de craft, du coup, forcément. Tac, 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 tac. On va faire ça ici, comme ça. J'aurais peut-être pas dû la placer ici, mais c'est pas grave. Hop. On va plutôt s'éloigner. Et mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, on range un petit peu le bazar. Voilà. On va prendre la hache. Salut, petit cochon, comment ça va? Voilà, comme ça on s'éloigne et on a vraiment une bonne base. Est-ce que les... Ouais, en vrai c'est le classique, mais les supports, on pourrait les faire en bois. Et en même temps, pourquoi ne pas changer la donne et faire la structure comme... Mais bien sûr, pourquoi faire comme d'habitude quand on peut faire différemment? Pourquoi on pourrait pas juste... Alors les gars, juste qu'on soit bien d'accord, vous allez le voir, mais j'ai aucune inspiration. Je me laisse aller, je veux dire, j'ai pas d'image à côté de moi. Pour cette maison-là, j'avais une inspiration. Mais là, ce que je vais faire... C'est vraiment tiré de mon imagination. Donc du coup, je vais en profiter pour placer les supports là. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est avec le lapis lazuli, hein, pour faire ce colorant, c'est assez facile à récupérer. Voilà, comme ça. Alors, plutôt partir sur quelque chose comme ça. Voilà. Oui, ça peut être une très bonne idée, les fondations en terracotta. C'est même très cohérent, hein. Là, en fait, ce que j'aimerais bien... Je me suis peut-être un peu enflammé aussi. Là, j'aimerais bien que ça parte là-bas. Tu vois? Histoire de profiter un peu d'espace. Tu vois? Je veux que la maison, elle soit quand même assez spacieuse au final. Là, ce sera serré pour la baie vitrée en bas, tu vois. Mais je veux quand même que ce soit assez spacieux. J'ai pas pensé à prendre un lit, mais c'est pas grave parce que si vous regardez bien, bien dans la maison à côté, il y a un lit, donc ça c'est parfait. D'ailleurs, je vais directement le prendre, hein, ça nous évitera de faire des allers-retours. Et je pense qu'en vrai, il y a moyen qu'on fasse une dinguerie là. Il y a moyen qu'on fasse une dinguerie, une maison de type que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, quoi. En vrai, il y a grave moyen. Là, si je compte, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'aurais bien aimé. Attendez. Je me suis un peu chié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, non, c'est bien ça. C'est très très bien ça. Ça c'est parfait. Donc juste ici en face. Là. Hop. Impec. Il est beau hein, le coucher de soleil quand même. Hein. Franchement. Hein, c'est pépita. Ah c'est pépita. Hop. Ok, on va dodo.
On va voir est-ce qu'on fait une maison en L ou pas. Le L c'est quand même assez classique, mais on va voir en fonction de l'espace qu'on a. Donc là on a fait 10 là-bas, on est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pourquoi pas également repartir sur 10. On va pas monter aussi haut, j'ai pas non plus de la terracotta illimitée. Là, le truc c'est que on pourrait. Si je vais tout droit, ça va faire un L, ce qui est très bien, mais si je pars là, ça va faire un manoir aussi. C'est compliqué de faire un manoir, j'ai pas envie de faire un manoir. On va continuer tout droit. 1, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, ce serait vraiment chouette qu'on ait. Bah, de toute façon, là, il y aura la, il y aura, là, il y aura franchement en hauteur, pareil comme là, pas un balcon, mais voilà, on aura une grande fenêtre également où on pourra espionner ce qui se passe en bas. Donc, il n'y a pas besoin de faire une terrasse, enfin un balcon ou je sais pas quoi. Si on s'arrête là, c'est déjà suffisant. Franchement, on va faire venir ici pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en vrai, il y a un truc qui est cohérent. Bon, du coup, c'est un L. C'est un L, c'est assez simple. Par contre, au niveau des portes d'entrée, là, il y aura clairement une porte d'entrée, là. Là, je te le dis, ici, il y a une porte d'entrée. C'est Bibi qui te le dit, hein. Voilà, une petite porte. Donc là, évidemment, on terraformera, parce que là, c'est un petit peu archaïque. Une porte d'entrée ici, des grandes baies vitrées là, et une porte là, clairement, une double porte ici. Une double porte là, avec un jardin là. Là, ça va être un jardin de type petite table. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bien sûr. Tout à fait. Avec un accès à l'extérieur, un petit chemin qui descendra, etc. Tout sera relié, vous inquiétez pas. Oh, c'est chouette ça. Très très chouette ce qui se passe. Ok. Donc au niveau des fondations, on est bon pour ce côté-là. Niveau terracotta, ça a l'air de suivre. J'aimerais bien terminer le. Voilà. Comme ça, je veux dire, j'ai une cohérence. Et je sais où c'est que je vais, quoi, tu vois. Donc là, normalement, si je creuse au-dessus de WAM. Ça sent pas bon, ça. Est-ce que je me suis foiré? Non, c'est bon. Ok, impec. Là, normalement. Normalement. Je dis bien normalement, je suis bloqué, bonsoir. Normalement. C'est la bonne terracotta. Enfin, je veux dire, je suis bien placé. Oui, non, c'est bon. De toute façon, ouais, c'est vite vu, hein, la vérité. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Ouais, c'est bon. Ok. Tout est connecté. Ça, c'est un pec. Du coup, là, je sais pas du tout comment on va faire pour connecter en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de la structure, j'ai aussi pris de l'acacia. Oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai pris de l'acacia. Je sais pas encore comment on va se débrouiller. C'est vrai qu'en plus les strip logs sont à part entière et c'est très joli. Ah. Et je peux faire ça comme ça. Est-ce que c'est la même chose que si je fais ça? Oui, si c'est la même chose. Parce qu'on a les cherry planks. Alors si je mets des cherry planks là, pourquoi pas? En même temps, si je mets de l'acacia, non, pas pour ça. Franchement, pas pour ça. Et si je mets. C'est vrai que ça c'est joli. Hein. Ça c'est de la strip. Ça c'est de la. Bon, la planche on oublie bien sûr. La strip par contre c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, faut aimer. Après, c'est vrai que c'est plus violet que bleu là, ce que j'imaginais. Là, pour moi c'était du bleu que je voulais faire. Et c'est censé être bleu et ça ressemble plus à du violet. Alors ça c'est un petit peu l'arnaque. Du coup, les planches vont mieux je trouve. Et en fait. Attendez, il faut tenter des trucs dans la vie. Bougez pas. Il faut tenter des trucs. Après, là en plus, c'est pas parlant parce que là, j'imagine qu'il y aura une grande fenêtre. Là, franchement, il y aura une grande fenêtre. Et là, il y aura une grande fenêtre également. Mais c'est pas symétrique du tout là. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? N'importe quoi. Voilà, donc là il y aura les grandes fenêtres. 1, 2, 3. Mais c'est pas symétrique, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah! Attendez. Là, on va avoir un problème qui me stresse. On va avoir un vrai problème, là. Ah oui, il n'y a pas de, de symétrie vraiment possible, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, mais là, ce sera fermé. Là, ce sera fermé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, la porte, elle sera comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, je... Je vais aller me faire foutre. Là, dans tous les cas, grande fenêtre. Grande fenêtre. Moi, je veux que la lumière, elle pénètre la maison, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est pas parlant. Là, on va laisser... On va laisser la terracotta faire. Mais j'aimerais bien mélanger ça, en effet, avec... Ça, ça va pas avec ça. Ça, ça va clairement pas avec. Par contre, ça... Faut que je réfléchisse. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal là, ça avance assez cool. Je suis content parce que là j'ai une autre dynamique. En fait, je vous explique, je continue, on est le lendemain. Alors, bon, ceux qui ne savent pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu moins de temps pour moi dans mes journées. Donc, enfin, vraiment, je vous dis pas les horaires auxquels je fais les vidéos, etc. Mais c'est assez aberrant et c'est marrant parce que du coup, là j'ai du recul. Alors, vous. C'était il y a 3 secondes, mais moi j'ai du recul. Je me suis amusé à faire ça tranquillement et j'aime bien le mélange. Alors je sais pas pourquoi ça faisait bizarre avant et là ça me paraît pas bizarre. Très très particulier. Alors c'est sûr que ça aurait été mieux que ce soit du vrai bleu plutôt que du mauve. Ça je réitère, je continue de croire que du bleu ce serait beaucoup mieux. Donc si un jour on a du vrai colorant bleu, on changera ça. Mais tout de même je trouve que ça se marie quand même assez bien. Donc voilà un petit peu pour la base. J'ai un petit peu, vous voyez, terraformé ici pour avoir un peu plus d'espace pour pouvoir passer ici librement. Pareil, là j'ai un peu terraformé. Hop, voilà. Voilà. du coup, grande porte ici, grande porte également qu'on va faire là. Mais ça, je suis assez curieux. J'aimerais bien trouver de la terracotta bleue, enfin, du colorant bleu. Ce serait vraiment sympa. Donc j'ai enlevé l'acacia en haut, c'était ça en fait je pense qui me dérangeait dans ma vision globale, ça le faisait vraiment pas. Que faire de la terre, enfin que faire de l'acacia, j'avoue je sais pas, peut-être le sol et encore je suis pas persuadé, ah quoique, hein, alors attendez bougez pas. C'est vrai que le problème du sol en acacia c'est que c'est le même sol que dans la ville, dans le village qui est de l'autre côté. Et en même temps, ça rend pas mal. Alors après, est-ce que c'est pas mieux des planches? Non, là, c'est dégueulasse. Là, vraiment, c'est dégueulasse. Par contre, et sachant qu'on en a vraiment à l'infini, le sol en acacia. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi pas. Donc, on va directement faire le sol. Comme ça, ce sera fait. Ouais, vous voyez, j'étais en train de comparer, je me suis dit sait-on jamais, mais avec les cherry logs, c'est vrai que ça rend pas pareil. En planche, non, puisque les murs sont déjà en planche, très clairement. Je vais juste faire un petit tour à notre base, bon déjà pour récupérer dans un premier temps de nouveau de l'acacia, puisque j'ai plus assez pour terminer le sol, mais aussi si on peut en profiter pour essayer de trouver un moyen, je ne sais pas, mais d'avoir du vrai colorant bleu, ce serait absolument juste magnifique. Wouhou! Ce serait absolument magnifique. J'aimerais vraiment... Je sais pas comment on fait pour avoir du colorant bleu clair en fait. C'est une très très bonne question. Elle est sympa ma petite maison là. Alors pour autant vraiment on verra, je vais y réfléchir. Mais vous voyez déjà la maison elle va être quand même beaucoup plus spacieuse là-bas. Hein. Là ici. Elle va être beaucoup plus spacieuse, il y aura beaucoup plus de place pour les rangements. Mais à voir en définitive ce qui va se passer d'ici. Hein, parce que c'est pas pour autant que je vais tout enlever. Hein. Donc vraiment vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça me saoule parce qu'il n'y a rien qui est rangé là. Il n'y a plus rien qui est rangé. C'est un vrai bazar. Où est le bois d'acacia? Ah j'en ai plus. Mais c'est pas grave, on va pouvoir en retrouver dans le village. On en a à foison. Je ne sais pas si c'est cette expression qu'il faut dire. Du colorant. Comment on fait du colorant bleu? D'ailleurs je suis sûr que je peux chercher blue. Bah ben, oui. Light blue. Ah donc on a la blue dye et il faut de la white. Et pour faire de la white, il faut de la bonne mille. Ah, je suis un trou de balle. J'avais tout ce qu'il fallait.
C'est bien dommage. Bon, alors attendez. Bah. Là, bon, écoutez, on va déjà se contenter du peu qu'on a. On a une machine à mob hein, quand même, hein, donc c'est pas mal. Je vais prendre la terracotta là. Bah. Ah oui, non, attendez, excusez-moi pour le boucan que je suis en train de faire. Voilà, tac, hop, voilà. Là, on a de la blue, on a de la white. Il nous faut encore des os, peut-être. Je sais pas, moi je me connais comme c'est pas rangé à tous les coups. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois, j'ai bien fait. Bah, comment on fait de la bonne la white? Non, là je suis débile. Comment on fait? Bah oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Et là, je peux mélanger les deux. Mais pourquoi il me propose pas blue? Ah, voilà. Impec. Terracotta. Et là, il me propose pas blue. Ah! Alors, des fois, il me propose pas les crafts. C'est assez amusant. Je pense qu'il faut débloquer en faisant ça. Ah, voilà. Comme ça. Oh là là, je suis une queue. Comment on fait? Terracotta. Bah ouais. Ah oui, mais ça c'est de la orange. C'est pas de la terracotta normale. Oui, d'accord. Il faut utiliser ça. C'est vrai. Et pour faire de la terracotta, je sais même plus comment on fait. Oh là là là. Ça fait longtemps, hein. Comment on fait de la terracotta normale? Bah, je crois qu'on n'a pas le choix de. Ah, je sais plus comment on fait. Bon, il n'empêche que là, on peut déjà faire notre light blue terracotta. Et encore, elle est pas si bleue que ça, hein. Moi, c'était du cyan que je voulais en vrai, hein. On peut pas faire du vrai cyan. Ah, si, cyan d'ail. Merde! Fallait utiliser avec de la green. Oh là 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 là, mais quel enfer. Ah, par contre, tu me feras dire que j'en ai pas mal, par contre. Et ça, c'est pas mal du tout. Cyan. Ouais, ça, c'est du vrai bleu, ça. Malheureusement, j'ai plus de terracotta, je crois. Oh là 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 là, l'enfer. Est-ce que je peux utiliser la clay? Je sais plus comment ça fonctionne. Je sais plus comment on fabrique de la terracotta, au secours. Je le savais, hein, avant, hein, mais je sais plus comment on fait. Oui, parce que là, c'est vraiment... Vas-y, fais chauffer la clay. Non, ça marche pas ici. Fais chauffer là. Oh, quel enfer. C'est un bordel, mon inventaire. D'accord, bon, ça m'excite parce que là, vous voyez, je suis de nouveau en découverte Minecraft et c'est absolument ce qui me plaît. Ouais, c'est vraiment ça qu'il nous faut. Comment on refait la terracotta? Oh putain, ok, bon, j'ai vite arrêté le... J'ai compris, j'ai su comment faire. Il faut faire comme ça. Quoi? Ah, comme ça, et ça, il faut faire chauffer dedans. Oh, quel enfer. Quel enfer, j'ai failli tout foutre en l'air. Bon, voilà, j'ai regardé sur internet, j'ai bien fait parce que là, on a failli frôler la catastrophe. Bon, au moins, là, on pourra essayer les différents coloris, et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Donc, moi, je pourrais toujours récupérer de la clay, hein, c'est pas un problème. Ah, j'avais zappé que la terracotta, c'était aussi simple que ça, en fait. Bon, on va voir, j'ai hâte. On va en profiter également pour faire un tour du côté du village pour récupérer donc de l'acacia, bien sûr. J'aime ce qui se passe, vraiment, j'aime ce qui se passe. Hop. Ouais, franchement, on va juste faire un petit tour. Voilà, on va éviter de mourir. Juste un petit tour en bas, là. Juste pour un petit peu se projeter. Ouais, vous voyez, quand on est... Tu vois, déjà, quand on est en dessous, on n'a déjà pas le même sentiment que quand on est au-dessus. Et ça me plaît. Ensuite, regarde, il y a des fleurs qui ont poussé. On va bombarder encore, parce que sinon, on va pas le faire. On va, je pense... Tout est terraformé encore. On va bombarder de pousses de cerisier. On va bombarder. On va se faire plein de bonnes mille. On va faire pousser plein de fleurs. On va disposer plein de pétales par terre. Et puis après, on va faire des petites constructions toutes chillax. Déjà, il n'y a pas de monstres qui spawnent parce qu'il y a déjà un petit peu de lumière. Mais voilà. Là, l'idée, les lanternes, c'est temporaire. Parce que les lanternes, on va les mettre sur les bûches là. Comme ce qu'on a déjà fait sur les autres arbres en haut. Et on va, voilà, on va mettre des petites balançoires. Des petits. Franchement, ça va être trop chouette là. Tu vois, ça fait du bien d'être descendu. Parce que moi je suis pas descendu depuis tout ce temps. Quand j'ai arrêté ma aventure il y a 2-3 mois, j'étais pas redescendu. Regardez, j'avais pas le potentiel. Regardez, mais on est où là? Carrément on se croirait pas dans le cratère. Carrément on sait pas où on est. C'est incroyable. Je sais même pas par où on sort. Aïe, oui c'est bien par là. Oh c'est cool. Et de dessus ça n'a rien à voir, c'est génial. Ouais. Bon c'est bon, je suis content. Là, ma aventure, ça va au moins durer 10 épisodes, là. Ah, oh, c'est bon, ça. C'est cool. Vas-y, du coup, hop. On a donc la terracotta. On va faire la light... non, la cyan. On va faire la cyan. Ah ouais, mais la cyan, mais pourquoi c'est pas le bleu que je veux? Bon, là, on a différents types de bleu. On a le mauve, le bleu clair, mes couilles, et le cyan, mes couilles, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Oh, je suis deg. Pourquoi ça fait ça? C'est peut-être le ressource pack.
Je suis pas sûr non plus, mais bon. Bref, allez, on va faire un petit tour au village. On va récupérer de l'acacia. Vous voyez, il y en a à foison là-bas. Wouhou! J'adore ce jeu. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez! Et vous voyez aussi ce qui est génial, alors regardez, il y a encore plein de bébés qui sont en train d'apparaître au fur et à mesure. Ce qui est cool, c'est que comme on est sur un serveur, et ben le monde il tourne genre H24, 7 jours sur 7. C'est pas genre je quitte le monde et ça se met en pause quoi. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que les villageois visiblement... Enfin si je quitte le monde, normalement les chunks ils sont en pause, t'as compris ce que je voulais dire. Mais comme il y a généralement quelqu'un qui est connecté sur le serveur, bah à chaque fois ça tourne en boucle. Donc du coup les villageois ils se reproduisent tout le temps, il n'y a pas de pause en fait. C'est énorme. Donc là vraiment on va voir un village mais ultra rempli pour le coup hein. Et ça me fait plaisir. Et d'ailleurs l'occasion pour moi de vous rappeler qui est l'hébergeur de ce serveur. Mais vous les connaissez très bien, c'est OMG Serve, bien sûr. Alors c'est pas sponsorisé les amis, je ne suis pas payé. Bon vous le savez hein, pour la communauté, vous le savez, je suis pas payé par OMG Serve. En revanche, bah, j'en parle puisque c'est grâce à eux qu'on a le serveur. Puisqu'ils nous font don, gracieusement d'un de leurs serveurs, un serveur Minecraft illimité. À savoir que d'ailleurs maintenant ils proposent des serveurs plus qu'illimités. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est encore au-dessus et genre vraiment c'est une dinguerie. Mais nous on en a même pas besoin parce que les serveurs illimités bah, ça tient complètement la route hein. Vraiment il n'y a pas besoin d'aller chercher plus haut, mais vous pouvez toujours si vous le souhaitez. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, vous avez 5% de réduction avec le lien en description. Ça vous sélectionne directement le coupon MKOLO. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description. Comme dit moi je touche aucune commission. Juste que eux ils voient que vous avez utilisé le lien en description. Et en plus de ça bah, vous avez 5% de réduction. Donc vraiment c'est tout bénef. Vous avez les serveurs Minecraft, les serveurs Ark, serveurs Starbound. Chose que je ne connais même pas. Également des VPN pour le coup. Des VPS pardon, rien à voir. Vraiment pas mal de petites choses. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les services qu'ils proposent. Moi dans tous les cas pour Minecraft vous savez depuis 2016. C'est bien ça, depuis 2016 je suis client chez eux. Et à partir de, ça fait depuis quand, 2018 je crois que je suis du coup partenaire. C'est vraiment un plaisir et... Non, 2019, je ne sais plus, bon, t'as compris. C'est vraiment un plaisir et je m'en suis jamais plaint. OMG Serve, les boss. Est-ce qu'il y a toujours le villageois là-dedans? Et oui, il y a toujours le villageois là-dedans. Énorme, le villageois Mending. Oh, j'espère que mes acolytes feront jamais de la merde avec lui. Vraiment, hein. J'espère qu'ils feront jamais du caca avec eux. Bref, avec lui, pardon. J'ai ce qu'il faut. Hop, on va dodo. Et on va continuer la maison. Est-ce que c'est bon pour vous? Excusez-moi, je suis en train de péter un câble. Non, je me posais la question d'ailleurs, parce que au final, attendez, hein. Je mange, ne me dérangez pas. Mais c'est qu'il y a du monde là. Attends, il y a un Enderman. Ça aussi, ça m'avait manqué, le petit Enderman. Là, viens par là, bichette. Salut. Ah oui, ça one shot pas là, du coup. Hein. Oh là. Ah oui, j'ai pas le même stuff qu'avant aussi. Hein. Et puis comme il y a du rollback. Non. Voilà, en plus il est mort de dégâts de chute, le nulos. Eh, hey, ça fait un beau colorant ça. Attendez. Ah bah ça fait, oui, la blue dye. Là c'est dye. Oui, l'acacia. Eh, hey, j'espère que j'ai assez. J'ai pris un stack, mais en fait, un stack ça suffira même pas. Alors on va voir du coup les différents coloris, bien sûr. Colorimétrie. Hop. De la terracotta. Ouais, j'aurais même pas assez, putain, mais quel débile. Je suis vraiment nul. En plus, il manque pas grand chose. Hein. Ah, il manque pas grand chose. Bon, bah voilà. Ça c'est fait. oui, donc la terracotta. Donc on a la lights blue et on a la cyan. Oh, ça va être un enfer. Alors, ouais. Genre, ça c'est du gris, frère. Ça c'est du gris, mais vous savez c'est quoi du cyan? C'est pas ça hein, du cyan c'est du beau bleu clair. C'est limite ça, c'est plus cyan. Ça n'a pas de sens. Minecraft. 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 Du coup ça serait déjà un peu mieux. Tu vois déjà ça se marierait déjà un petit peu mieux. On va voir. Hein, ça se marie un petit peu mieux, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors, vous allez me dire en commentaire, du coup, les amis. On va s'en arrêter là. Enfin, on va voir. Vous me dites en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team blue alias mauve ou light blue alias bleu arnaque? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, et comme ça, je changerai en fonction. Voilà.
Là, on aura donc des petites fenêtres. En fait, moi, je veux vraiment que ce soit aéré et ouvert, hein, pour être très honnête. Je veux vraiment que ce soit ouvert. Et du coup, que ce soit aussi grand et haut. Vous voyez? Là, le mur, il sera... Enfin, le plafond, il sera pas là. Carrément. Tu vois, là, ça fait assez haut. Il sera carrément au-dessus. Donc, ce que j'entends par là, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris, eh bien, regardez. Voilà. Tout simplement, je veux que ce soit comme as. Et là, ça va être vraiment chouette. Donc évidemment avec le bleu de votre choix, hein, soit le mauve ou soit le bleu clair. Et là tout de suite ça va rendre... Ouais non là, là ça rend beaucoup plus cohérent mes choix artistiques là. Vous voyez là tout de suite ça sonne beaucoup mieux. Vraiment ça sonne beaucoup mieux, ça va être génial. Ah ça va être vraiment génial. Alors je sais pas combien il y aura d'étages. Déjà ce qui est sûr c'est qu'on aura la place pour faire un bel escalier. Là en bas je sais pas encore, c'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à comment on va faire... Mais on va faire, on va trouver. On va trouver. Moi je veux vraiment savoir si vous voulez qu'on mette du bleu clair ou du bleu cyan. Et puis voilà. Bon, du coup j'ai quand même, on va quand même s'en arrêter là pour cet épisode. Ça sert à rien de vouloir faire plus. On va peut-être continuer en live ou en vidéo, je ne sais pas, ça dépendra. En tout cas, les gars, on se retrouve sur Twitch et on se retrouve pour le prochain épisode. N'oubliez pas le like, j'ai hâte de lire vos commentaires. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!